Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire. Amnousor Mbaydiagne a reçu son trophée de meilleur buteur de la Super League 2018-2019. Donc, le meilleur joueur, Sofiane Feghouli, m'a gagné devant Mbaydiagne. Mais Mbaydiagne, mon, il n'est plus donc, en ordre de sainteté avec Galatasaray. Parce que Galatasaray, nous avons beaucoup de monde. Nous avons Falco, parce que faire frais financier, moi, je menace Galatasaray. Moi, actuellement, je vois Galatasaray. Nous avons beaucoup de rencontrer l'administration de Galatasaray. Il faut rencontrer Mbaydiagne pour convaincre quoi, pour Moudem, parce que nous sommes contents de Mbaydiagne, Falco Ling Bugumu, nous, donc la guerre aussi est déclenchée par Yannick Gomis entre Lens et Guingamp. Donc Guingamp doit proposer 2,5 millions d'euros, donc ça c'est un bon prix pour Yannick Gomis, mais aussi il veut voir ailleurs, il faut que Guingamp, mais voilà, Lens nous veut, donc repousser le monde actuellement, c'est un feuilleton à suivre, donc le départ ou non de Yannick Gomis, feuilleton. Guingamp, donc pas aussi de qualifier une phase de poule de la Ligue des Champions. Ismaël Essa a doublé son premier but avec Watford, donc sous le maillot, donc des jaunes et noirs. Donc Alfred Ndiaye a connu son 10e club dans sa carrière. Donc Alfred Ndiaye, jeune, donc, va jouer pour son 10e club dans sa carrière pour 5 championnats, France, Turquie, Angleterre et maintenant l'Arabie Saoudite. Donc Alfred Ndiaye, c'est un globe-trotteur, moi qui ai entendu, de top Ben Place, de Demphi, d'Alphé, Tchoufé, donc Alfred Ndiaye. On lui souhaite donc bonne chance en Arabie Saoudite, donc Iran, Paraguay, Ukraine, au Muni des Lions, donc Bissoko, Jeux Mondiaux 2019. Donc Lyon, Ningichi, poule C avec Iran, Paraguay, donc avec Ukraine, poule D avec Russie, Japon, Uruguay et Salvador, poule B avec Italie, Espagne, Mexique, Île Salomon, poule A, Brésil, Suisse, Émirats Arabes Unis et Maroc. Donc là, ça sera. Donc, lol moy les Jeux Mondiaux qui auront du 11 au 16 octobre 2019 à Doha, au Qatar. Donc, tirage du Guinée, les la modeste préparation pour Diamadef. Le tout pour passer le premier tour. Comme l'a bien dit le coach Ngalasila, faire tout pour passer le premier tour. Donc, Inch'Allah, les Lions vont passer le premier tour parce qu'ils sont talentueux. Donc, phase nationale, donc Louga, donc avec mes envoyés spéciaux, Mourlamine Diop et Talegay Bambis, donc Marbat, Eko et Diamono en 8e de finale. Donc, ils ont qualifié en 8e de finale. Donc, dimanche 25 août, poule F, Zal Soumaré, Boudjourbel, Modor Ufan, Bou, Kaolak, 2 buts à 1. Donc, Dego Ling, Boulouga, Modor, R100 Boutiès, Maraboro R100 Trek, R100 Boutiès, 2 buts à 1. Donc, Salungi, Monekon, Modon Exante. Donc, poule G, Dino Yamaton, Yamaton, Dor, donc Yamaton, Modor, donc Djonik, Boufatik, 4 buts à 0. Penchi, Boudara, donc Louga, Niafor, Moko Niaf, Moko Dor, Boussedjou, 1 but à 0. Donc, poule E, Kek, Boukedougou, donc Diapo, Kep, Boulouga, donc nul 1 but partout. Donc, Dego, Kep, Boulouga, Modor, Namar, Boussedjou, 3 buts à 0. Donc, lundi 26, réveil. Donc, nous avons un réveil, Mojo, réveil pour Kaolack, Modor Kadjar pour Saint-Louis, 3 buts à 0. Atelier pour Louga, Modor Djamalar pour Zingensor, donc 2-0 buts partout. Donc, Dekondo avec Dental Dara, 2-0 buts partout. Mbolomi, Boutamba Konda, UAR pour Kaolack, 0-0. Donc, Mbolomi, Mokodor, 1 buts à 0. Parce que Moko Opu, Mbolo, donc Gisneyem, mardi 27, Poulbe, Marbat pour Louga, avec Chosan pour Saint-Louis, 2-0 buts partout. Eglon pour Kolda, donc ak Dekondo Boulouga, donc Dekondo doko dekel bu baax doko 3 buts à 0. Donc mercredi bi dinañ am donc Khandalu bu Kaffrine moy day HLM bu Matam, donc Diso bu Louga moy day Joko bu Tamba et Poulsé bi am nañ fa donc Pench Boulouga moy day Yonou Ndam bu Djourbel. Donc gis nañ né meilleur buteur phase nationale c'est Ibrahima Ba bu de Yamatoigne, donc avec 5 réalisations, 3 buts avec Abdou Kader Sissoko bu Joko, 2 buts avec Amadou Kansal bu R100 bu Thiès ak Abdelkader Diop bu Diamono. Donc gis nañ né R100 aussi amna 9 points ñom qualifié nañ, donc gis nañ né aussi Dego donc ñom qualifié nañ, donc gis nañ né mbolo mi aussi, donc ils sont proches de la qualification pour les huitièmes de finale. En tout cas phase nationale xumbuna amna cadre amna senior, donc là les Nawetane sont bien partis pour être très très mouvementés, très très nerf. Donc meilleur buteur Premier League donc des Africains, Mohamed Salah Modito Goum avec 3 réalisations en 3 matchs. Donc Sébastien Aller bu West Ham, donc franco-ivoirien, 2 buts en 2 matchs. Pierre-Emile Aubameyang, 2 buts en 3 matchs. Moussa Dienepo Mali, 1 but en 2 matchs. Donc Sadio Mané, 1 but en 3 matchs. Wilfried Nindi, 1 but en 2 matchs. Jordan Ayew, 1 but en 2 matchs. Joel Matip, 1 but en 2 matchs. Donc pour l'instant, Salah m'a mené la course pour le meilleur buteur des Africains en Premier League. Donc Coman bloque Mohamed Iha Taren, donc Mohamed Iha Taren, un jeune joueur de 17 ans, franco-hollandais, mom, donc maroco-hollandais, bok, autant pour moi.
mom va être ay logis dogo bëgg convoquer mais comment néna ko fo mu jaar procédure fo boy demander naturalisation comme ça il va quitter les Pays-Bas pour jouer pour le Maroc en tout cas ça ne sera pas facile de faire jouer donc Ihataren donc durant les dates FIFA de septembre donc Mondaire Kebayer à la tête des Aigles de Qatar donc avec des contacts infructueux donc avec Radi Jaidi Sami Trabelsi Nabil Malou donc le bureau fédéral de la Tunisie donc wo nañ Mondaire Kebayer donc le nouveau sélectionneur a signé un contrat de 3 ans en remplacement d'Alain Jires donc gayne ndjay warul tit warul raga donc Brahimé Tej Guinée DJ Six pour succéder à Poul Poul donc Guinée aussi nouveau sélectionneur donc Poul Poul demna après la CAN DJ Six ancien sélectionneur du Togo donc 65 ans et plébiscité pour donc diriger le Sili national donc gayne ndjay warul tit warul raga.